Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle roue sous les pieds. Et une nouvelle fois, c'est de bigodet dont on va parler. Ce qui n'est pas nouveau en la matière, par contre. C'est que oui, bigodet nous sort une énième version d'une roue qu'on a l'impression d'avoir déjà vue. Ou pas. Et ça, on va en reparler. Ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est que c'est Fast Ride que je remercie de me mettre cette roue-là sous les pieds pour que je puisse la tester et te la présenter. Voilà. Maintenant, pour en savoir plus sur cet objet qui pourrait bien être le point d'acmé de toute une année, et ben reste avec moi et c'est parti! On se retrouve sur la route, en effet. On se retrouve sur la Bigod EX30. Et comme toujours avec Bigod, je prends la caméra en me disant « Bon, allez, je vais les allumer parce que cette fois, j'en ai marre de la médiocre qualité. » Bah ouais, sauf qu'au moment où je dois te dire ça, je suis en train de rouler. Et il faut dire ce qu'il y a, quoi. Et franchement, ça me brûle hein, de l'intérieur de te dire que pour moi... Alors, je pense qu'on peut commencer avec le nombre de roues qu'il y a maintenant sur le marché à déterminer une catégorie 3600 watt-heure. La Sherman Max, la Sherman S, la Master X, la Commander Pro, cette EX. Donc, je pense que pour les gens qui veulent beaucoup rouler, tout ça, bah, c'est là que ça va se passer. En fin d'année dernière, je te disais, tu sais, que selon moi, en tout cas, on avait atteint, ça y est, des sommets et que on allait pouvoir s'occuper de l'intérieur du cadre. Et ben avec cette EX30, là, c'est un peu l'effet que ça me fait. Et ça me fait tellement plaisir, tu peux pas savoir, d'être redescendu d'un étage pour être sur un truc un petit peu plus concret. Attention, ne me fais pas dire ce que je dis pas, on reste sur une grosse roue avec... mais tellement plus maniable, tellement plus accessible que celle que j'ai eu l'occasion de tester récemment, bah ça me fait plaisir. Ouais, je trouve que ça y est, là, on arrive à un point d'équilibre pour cette catégorie-là, en tout cas, 3600 watt-heure. Bon, 134 volts, ça, c'est pas forcément encore obligé, mais voilà, j'ai l'impression que ça va s'affiner doucement, mais on a un pilier qui est planté. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ouais, j'ai envie de dire que cette EX-là, elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord. On arrive à une roue mature. Oui, il y a 3600 watt-heure de batterie, donc t'as pas à te poser de questions. Oui, t'as 134 volts. Oui, le gabarit est pas trop imposant. Oui, la suspension fait le teuf qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Il y a juste les power pads. Et puis les pédales aussi, on va en reparler. Mais tout ça quand on sera à tête reposée. Au rayon des améliorations, on a des barres devant et derrière pour porter la roue. On a une suspension qui fait plou clong clong, qui marche bien, qui est assez ferme, mais ça, moi, j'aime bien. On a cet écran qui est plutôt pas mal. On a des power pads qui sont toujours pas à la hauteur, je suis désolé. Et du coup, on se retrouve encore une fois avec des packs batteries sur lesquels il va falloir qu'on vienne coller les power pads, ou alors il va falloir qu'on ait des accessoires qui nous mettent des plaques sur les côtés. En parlant des packs batteries, c'est une amélioration. Cette fois, c'est en aluminium. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux ajouter? L'écran, il est très rigolo. Ils ont mis 3 numéros, comme si la roue pouvait rouler à plus de 100 km/h. Non, c'est pas vrai. La roue, ce qu'elle peut, c'est à vide, tourner à plus de 100 km/h. Alors on aurait pu se dire, ouais, c'est purement marketing. Et d'un point de vue marketing, ils ont voulu montrer, eux aussi, comme InMotion l'a fait, nous, on peut rouler à 100... Je crois qu'on a fait 120 en free spin quand elle est chargée à fond. Sauf qu'en vrai, eh ben, ils n'ont pas changé l'algorithme de l'écran. Du coup, bah, l'écran ne tourne que sur deux chiffres. Et quand on passe les 100, ça repart à 0. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça ce que j'appelle le bigode. C'est que c'est... Voilà, il y a encore... Ils font des progrès. Oui, ils font des progrès. Et c'est vrai qu'avec toutes les itérations qu'ils font... Encore une fois, je te l'ai dit et je te le répète. Pour moi, bigode, c'est pas un marchand de roues. Pour moi, c'est un laboratoire de recherche. Et... Ben, comme ils sont tout petits, ils sont obligés de vendre leurs recherches. Donc, ils commercialisent leurs recherches pour financer celles d'après. Du coup, ben, je ne sais pas si tu étais là la semaine dernière où je faisais la Master Level Up. Ben là, il va falloir encore ajouter un voltmètre. Il va falloir encore enlever ces power pads tout pourris pour mettre des power pads, enfin des plaques d'abord sur les côtés et puis des power pads. Voilà, il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour que ce soit vraiment une roue agréable à rouler. Pour ce qui est de la suspension, alors elle est ferme. Et moi, c'est vrai que j'aime bien. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de débattement, mais c'est ferme. Il n'y a pas beaucoup de rebond. Si tu veux un truc pour protéger tes genoux, ton dos, tout ça,
La V13, la Sherman S, c'est mieux. Là, c'est une suspension plus... Tu sais, c'est un peu... sur les voitures de course, on met des suspensions beaucoup plus rigides. Et ben là, j'ai un peu ce sentiment-là, tu vois. C'est un peu tape-cul, comme on dirait. Hein, mais attention, tape-cul, comme on dirait d'une voiture, tape-cul. C'est-à-dire qu'il y a quand même des suspensions. Mais voilà, moi, ça me plaît. Il y a moins ce côté... Là, c'est plus précis dans la conduite et j'aime bien. Mais ça, c'est une question de choix, vraiment, je pense. Bon, et puisqu'on est au paradis, on va faire un tour de la bestiole. Alors, je dis un tour de la bestiole de façon ergonomique ou des options qu'elle peut proposer. On s'aperçoit que pour éviter de se casser les doigts, maintenant, il y a des poignées. Tu vois, c'est très bien. Le phare avant, il est moyen, j'ai pas eu le temps de le tester. Par contre, le phare arrière, c'est le même qu'on avait eu sur la Master Pro. Voilà, c'est un peu le même design qu'il y a sur la M10-4, c'est des petites LED et ça fait le taf. Les pédales, alors il y a un moment, il va falloir se demander. Les pédales, c'est la seule chose chez Bigodet en termes d'accessoires qui était parfait. Et là, on voit qu'il y a des trous qui sont prêts à accueillir les picots, sauf qu'ils n'y sont pas les picots. Et tu vois, on dirait qu'ils en ont mis que la moitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Par contre, c'est joli, c'est bien troué, c'est léger, c'est parfait. C'est bien large, ça, tu vois, on parle toujours des Nilonové qui sont le top du top. Les Nilonové, elles s'arrêtent ici à peu près. Donc, c'est vraiment, on est vraiment content qu'elles soient très, très larges. C'est vraiment sympa. Ensuite, les packs batteries. Souviens-toi, sur la Master, on regrettait que les packs batteries soient en plastique. Ici, ce que je regrette, c'est ça, là. Mais je pense que ça a un intérêt. Mais voilà, et puis aussi, les gros power pads, là, qu'il va falloir... tout de suite enlever, mettre une plaque pour pouvoir mettre d'autres power pads. Parce que ça, ici, c'est contendant presque. Tu vois, contendant, ça va pas. Ici aussi, alors on m'annonce qu'il y aurait presque une V2, tiens, tu vois, ça a tapé. Tu vois là, en fait, il y a toute cette barre là qui est faite pour renforcer, j'imagine, la structure, et ben, qui est trop en avant. Et qu'ici, on doit monter un trottoir un peu haut, un machin, et ben, ça tape. Et tu vois, on en a bien la preuve. Je te le mets droit, comme ça, tu peux bien voir. Ça a bien tapé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme tour? Les boutons, c'est les mêmes que la Master, on va pas rester. C'est bien, mais bon, ça pourrait être mieux. Encore une fois, c'est du bigode, on va pas trop leur en demander, parce que, comme on a pu le voir, la glisse, elle est géniale. La béquille, très bien, parce que sur la Master, quand on était sur la béquille, tu vois, là, elle va pas tomber. De gauche à droite, c'est moyen. Attention, hein, là, je peux la faire tomber. Mais par contre, la Master, quand on était sur la béquille, elle tombait vers l'arrière. Là, non, elle reste bien droite, c'est parfait. Il y a un autre truc, c'est que j'ai l'impression que elle est plus basse sur les pédales. Le corps, ça c'est très difficile à rendre, mais le corps est beaucoup plus bas que sur la V13, que sur la Master Pro. Et on commence à c'est plutôt du gabarit de la Sherman S, de la Sherman. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Là où les autres étaient beaucoup trop grosses, celle-là, eh ben, c'est plus sympa pour moi. Si on se met derrière, donc on a le pendant pour tenir la roue et pour ne pas se coincer les doigts, on a le bras de suspension, on a le garde-boue, pareil, il faudra peut-être le changer. Les accessoiristes, ils auront de quoi s'amuser, encore une fois, c'est une bigode, donc on appréciera aussi, tu sais, le logo, même si c'est un logo Gotway et pas un logo bigode, ça donne un peu du cachet. Pour ce qui est du look, écoute, moi je la trouve un peu trop, un peu bizarre, mais tu sais, cet effet cachalot, quoi. Avec ce gros front là, mais au moins si on tombe, bon bah ça vient protéger. Mais sinon, c'est un peu comme la Master Pro. Il y a toutes les options. Alors toutes les options sont moins bien faites que sur la V13, mais elles sont toutes là quasiment. Il manque en effet sur l'écran plein d'options. L'écran de la V13 est vraiment presque parfait. Et avant de repartir, le siège, très bien, encore une fois, ils savent faire, ils ont bien fait. Il est plus court que sur les autres, mais ça marche très bien. Et puis le trolley. Comme d'habitude, c'est très flimsy, mais ça fait le taf qu'il lui demandait. En dessous, on a deux ports de charge plutôt qu'un, 134 volts, tout ça, tout ça. On regrettera, oui, le chargeur qui est livré à 3 ampères. Mais... Bon, et au-delà de tout le blabla, en effet, elle est très maniable. C'est une des premières choses qui m'a sauté aux yeux. Alors, faut dire que je viens de la V13, qui, elle, pour le coup, était très haute et tout. Celle-là, elle est très, très facile en jambes. Du test de virage. 2, 3. Whoopi. 1, 2, 3, 4. 4. Tu vois, ça tourne mieux qu'une Hero, quoi. Non, c'est vraiment impressionnant, ça. Youhou ! Ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire ça, mais... Vraiment, le centre de gravité, il faudrait l'étudier de plus près, avoir des scientifiques pour faire ça, mais... Le centre de gravité de cette roue-là, vraiment, lui donne une maniabilité à toute épreuve. Et ça,
Franchement, ça me plaît. Et alors, quand il s'agit de carver, mon ami, quand il s'agit de carver, là, comment on dit déjà, oui, c'est le pied. Mais attention, encore une fois, il y a une vidéo en préparation là-dessus. Il s'agit d'un objet pour s'amuser. Mais là, oui, les pistes de ski n'ont rien envie à ça. Wow, tu vois, c'est... Oh là 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 là. C'est bon, quoi. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Et crois pas que c'est avec plaisir que je te dis ça. Non, ça m'ennuie presque. Parce que on voudrait que ce soit bon sur toute la ligne. Et alors, pourquoi, moi, je te disais au début de cette vidéo, pourquoi je démarre toujours les vidéos sur les bigodes? D'ailleurs, sur les InMotion, c'est un peu pareil, mais pour d'autres raisons. Pourquoi je démarre les vidéos sur les bigodes avec cette espèce de, d'appréhension, avec cette espèce de pas envie, avec cette espèce de... Parce que le problème des bigodes, c'est pas sur la route qu'il est. C'est dans tout leur process de fabrication. Je t'expliquais comment, oui, un modèle en remplace un autre et tout ça et tout ça. N'empêche qu'en tant que client, tous ceux qui ont acheté la UX20 S, ben quoi, ils se retrouvent avec une roue sans écran et puis deux jours après on leur explique qu'en fait ils vont avoir une roue avec écran qui va sortir et venir la remplacer. Et puis le lendemain on leur dit qu'il y a la UX30 qui va remplacer le machin, les trucs. Et à terme, les gens ils sont épuisés. Et je parle des consommateurs, je parle des clients, mais je parle aussi des distributeurs. Ils n'en peuvent plus de consommer des trucs. Et les pièces détachées, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui achètent une roue de l'année dernière chez Bigode, eh ben, ils vont se retrouver le bec dans l'eau, quoi. Donc, oui, la UX40, elle va être annoncée quand? Là, moi, je te parle de la UX30. Si ça se trouve, je raccroche, je poste cette vidéo, et paf, il y a un message qui va passer. Alors, le truc qui me fait relativiser, c'est qu'a priori, on ne peut pas faire tellement mieux. On peut faire tellement mieux, point de vue qualité. S'ils sortent une UX40, 134 volts, 3600 Wh de batterie, le même gabarit, les mêmes options... Mais un smart BMS, mais... Eh ben là, oui, tu vois, et c'est tout ça. Mais bon, en effet, c'est ce que j'avais dit à l'époque, tu sais, dans la vidéo de la S18, c'est que, bah, on est une petite niche et que, bah, ceux qui investissent dans ces roues-là, ils c'est un peu des... Ils font avancer le marché, quoi, c'est un peu des pionniers. Et donc, ils font avancer la communauté à leur façon et ils financent les roues d'après. Ça, faut pas se leurrer, mais chez Tesla, c'est pareil, hein. Tesla, les gens qui ont acheté le Roadster, bon, ils ont acheté une roue moyenne. Et puis aujourd'hui, bah, ça commence à être pas mal, quoi. Mais oui, moi, je comprends que les gens soient épuisés. Je te dis, à tous les niveaux, je comprends que les gens soient épuisés par bigoder. Parce que moi-même, et moi le premier presque, enfin le premier, il n'y a pas de classement à avoir, mais j'en peux plus de leurs histoires. Ils me cassent les pieds. Tout bonnement, c'est pénible, quoi. C'est parce qu'il n'y a aucune lecture, il n'y a aucune communication, il n'y a aucune transparence, il n'y a rien, on ne sait pas comment c'est géré cette entreprise-là. Est-ce que c'est mieux chez les autres? Je ne sais pas, mais au moins, c'est clair. Alors, t'as Kingsong qui nous fait poireauter pendant 2 ans pour sortir un modèle, mais... Et puis le modèle n'est pas abouti, et puis ils font un deuxième modèle et pour remplacer le premier et tout. Donc je ne dis pas que c'est mieux chez les autres, mais je dis que Bigode, ils ont un peu cramé leur chance, quoi. Et ouais, il faut le savoir, je pense, quand on achète une bigodée, il faut connaître tous ses tenants et ses aboutissants. Au-delà du fait que c'est génial à rouler, au-delà du fait qu'ils font quand même des progrès dans les options, dans la finition, ouais, ils font des progrès, mais voilà, t'achètes pas que la roue que t'as sous les pieds, t'achètes tout l'écosystème, entre guillemets, quoi. Et là où un écosystème Apple, ça fait rêver, ben un écosystème Bigode, ça laisse à désirer. Il y a une chose quand même qui me vient à l'esprit, c'est d'où on vient avec Bigode. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, Bigode, c'était... Les ventilos qui soufflaient, les vis à bois, les coques trouées qui laissaient passer la pluie, qui la laissaient pas sortir. Bigode, c'était tout ça. Et c'est vrai qu'il faut bien avouer qu'ils nous le font payer, c'est-à-dire qu'il faut payer à chaque itération pour pouvoir améliorer tout ça. Mais peut-être qu'à terme, et je t'avoue que parfois, je fais partie de ceux qui aimeraient bien les enterrer définitivement, dire bon, allez, vous avez fait votre taf, maintenant laissez la place à ceux qui savent faire. Et si j'avais envie d'encore plus prendre la défense de Bigode, je dirais, écoute, ça, c'est plus un outil de mobilité, on va en reparler bientôt. C'est juste un objet de loisir, un objet dédié au plaisir instantané. Et là-dessus, bah, ils se trompent pas.
Oui, c'est vrai que moi, si j'ai un objet de mobilité, je veux qu'il soit étanche, je veux qu'il soit machin, je veux qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Mais si c'est juste un truc pour aller m'amuser, en vrai, eh ben, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Et si ça se trouve, tout ça est réfléchi de leur côté. C'est juste que pour nous, ça paraît aberrant. Mais parce que nous, encore une fois, moi en tout cas, j'ai le prisme de la micromobilité. Sauf que ça fait bien longtemps qu'on a quitté le monde de la micromobilité avec ces objets. Et malheureusement, enfin moi je le déplore, on est rentré dans l'objet du gadget pour enfants riches, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est rigolo, tu vois des marches, des machins, et poum. Tu vois, et je vais à l'encontre de ce que j'aimerais penser. Mais si je vais être honnête avec moi, ce que j'essaye, et honnête avec toi, ouais, je trouve que dans le paysage, après la journée que je viens de passer, franchement, je dirais que oui, bigode, ils sont un peu essentiels dans le paysage de la monoroue, quoi. Vraiment, c'est indéniable, et ne le nions pas. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé avec cette roue-là. C'était un vrai bonheur de rouler, ça c'est clair, en plus... Le temps est de la partie, ça faisait très très longtemps que je m'étais vraiment pas fait plaisir comme ça. Encore merci à FastRide, souviens-toi, t'as 5% avec le code bonheur. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour une autre roue et en tout cas une nouvelle vidéo. Allez,